parole à palais.com. Bonjour, bonsoir, tout le monde qui branche le signal. C'est à grand pile plaisir nous rentrer la caillou pour nous porter pour rubrique. Alors, c'est pas rubrique là, on est professeur pour pouvoir en parler. C'est plutôt Haïti aujourd'hui. Je dis que c'est mardi, c'est 17 janvier 2017. Amen, après applaudir, c'est Timothée Jean-Roch qui a fait manœuvre technique. Yo, et Tom Dumont, ami quoi. Comment la République réveillée depuis matin nous fait et dit traverser à. Nous vivons plusieurs côtés, eh ben, nous informés à travers deux éditions de nouvelles en français sous antenne Signal. Nous avons parlé de Rivière Info, nous avons parlé de Signal 13 également, hein, n'est-ce pas Jocelyn qui est avec nous là. Et c'est pas Jocelyn PS, non, c'est Smith qui est là ensemble avec nous et qui a pouvoir donner pour une fois, hein, puisque Signal, puisque le travail dans Signal, fort polyvalent. Là, nous saluons Anne-Marie Sassoutraxa. Nous avons rappelé, c'est avec Josué Lexidon, bien pour nous faire parler tout à l'heure, qui n'a pas le mandat. D'ailleurs, on séance qui a déroulé là, mais et dossier Ukraine-Fla, l'Ikembe actualité. Hein. Ben, nous faisons 4 sénateurs qui signent une correspondance, qui adressé à Bureau Sénat République, là, qui mandait pour Sénat. Chita ou bien statué sous dossier Ukraine-Fla qui parlait de président élu République là et n'a parlé de Jovenel Moïse dans quatre dossiers ça et rapport ça Ukraine sorti qui fait qu'on est Jovenel Moïse tannant et de activité qui a ouais avec blanchiment l'argent et alors c'est n'a utilisé concept conclusion rapport Ukraine-Fla qui fait connaître que Jovenel Moïse t'a appé manipulé une série de fonds qui paguent un yen à ouais avec entreprise li a dirigé yo. Alors, quatre sénateurs de la République y ont mandé pour ta gagner une séance côté pour assemblée parlementaire. L'assemblée des sénateurs yo t'a statué sous rapport Ukraine-Fla bien avant que séance prestation serment et suivi de entrée en fonction du nouveau président élu Jovenel Moïse ta fête. Alors malheureusement n'a pas alors c'est une carte dit malheureusement. Alors quatre sénateurs ça yo, c'est quatre sénateurs qui de tendance Lavalas. Ou bien quatre sénateurs qui de tendance Lavalas. Et c'est là où il n'a pas posé question, n'a posé problème corruption ou bien n'a posé question équilibre là. Si on t'a parlé d'équilibre dans un certain sens. Si institution a fait travail yo et c'est hier nous t'avons fait approche là c'est de manière impartiale dans la mesure où si gagne passion si gagne partialité si n'était cap dire dans traitement une série de dossiers ça a retiré ou bien a dégradé question crédibilité à dans fonctionnement institution yo. Nous parler de Sénat républicain ou bien parler de assemblée parlementaire yo. Comme une assemblée qui t'a supposé comme mission contrôler les actions du gouvernement ou du moins les actions de l'exécutif tout court et parallèlement il y a gagné comme fonction de légiférer en ce sens que au cap fait de propositions de loi voter de traités de conventions et parallèlement ratifier premier ministre et non ça qui a ou bien cabinet ministériel là non rapport avec exécutif là mais si t'as gagné de bagaille qu'a fait et que t'as gagné passion là dedans t'as gagné de intérêt particulier ou personnel ça a affaibli institution yo et si chaque jour n'a demandé faut que institution yo renforcé faut gagner de disposition bon côté moun kapé prend décision ou du moins moun kap travaille dans niveau l'état ou du moins moun kapé et jouer rôle député ou sénateur ou bien qui investit fonction ça yo c'est de moun quand même qui t'a montré quelque part y a travail pour la République, il y a travail pour le bien de la communauté, il y a travail pour la population. Alors, dossier ça qui rebondit dans un certain sens, puisque nous comprenons, et nous avons R, c'est notre R transition à nous, c'est Jocelyn Briver qui investit à présent par le national depuis tantôt un an, et ben qui, dans la date 7 février, là, t'as dû quitter côté le Chita, t'as dû quitter chaise le Chita, pour t'abailler place à un président élu. Mais il y a deux enjeux. Le monsieur a parti comme ça, le haut fait qu'investit l'État, il a parti. Gon tendance
pour ta bourrer administration publique la moun, pour ta plein l'état moun qui déjà pas capoté sous côté fli, déjà gon bon employé qui jusqu'à présent pour qu'on touche, gen nan yo qui jusque nan minute a parlé là gen série de bon sous base contrat yo gen dans l'état, gon série de moun cap travail dans l'état même contrat pour qu'on pas oublier exercice fiscal et la république elle commencé à partir du 1er octobre li bout 30 septembre. Et pas étonnant même d'où, n'a pas les connaissances de cause. Il y a deux monde qui travaillent dans yon, soit un organisme déconcentré de l'État, contrat yon pour gossien. Ça veut dire yon pour quoi approuver, yon pour quoi toucher. Alors, si m'dou, depuis octobre, à jeudi, y'a, contrat yon pour gossien, ça veut dire, ou pas besoin de demander, mais est-ce que yon touche tout? Yon pour quoi toucher pour nouvel exercice fiscal là. Et puis, pas oublier que les nègres qui ont en instance de départ comme ça, ils ont profité quitter douleur, quitter problème, quitter tête chargée pour mon gars venir après. Et c'est là oui le un nouveau président pour l'investir ou du moins si un ministre, m'a besoin de venir dans niveau et premier ministre, m'a arriver dans palais national ou bien m'a arriver dans niveau ministère, mais nous connaissons fonction ça généralement c'est directeur général puisque machine et ou bien plate tournante ministère ou bien organisme de l'état ou bien dans l'état c'est directeur général yo. Et là, par exemple, sous fait et droit administratif, vous comprenez, c'est directeur général là, c'est pas ministre, c'est on signature le passé, mais véritable exécutant, il était directeur général yo en dans organisme l'état ou bien en dans structure l'état, dans appareil étatique là, c'est le directeur général et d'ailleurs nomination nécessairement doit passer par le directeur général. Et qui est ce monde qui nomme directeur général là? Généralement, c'est président de la République là qui lui-même est pas arrêté, même Jean le fait pour cabinet ministériel là. C'est lui qui nomme directeur général yo et c'est là yo qui était fait mal là pour moun k'ap vini après ya. L'état nous songeait dans période de dans période de 2008 yo et qui t'ai gain la donne environ 68 000 employés et n'a faut ti rappel ça l'un songeait sous Michel Duvivier Pierre Louis l'a été remplacé Jacques Edouard Alexis dans tête l'état c'était yo même c'était dans période ça t'a demandé un 13e mois ou bien 14e mois comme on dit là. Et donc le par exemple il au fin boucler OK c'est 13e mois de préférence les t'a demandé 13e mois ou en nous compte côté t'a fait calcul ça sous environ 68 000 employés qui dans administration publique là et ben gagné nécessité côté t'a gagné demande l'arrivée dans période de mois de septembre dans période de rentrée des classes yo t'a demandé un 13e mois pour employer yo dans administration publique là nous songer dans période là été évoqué 68 000 employés sous l'État. Est-ce que l'État a gagné l'autre fonction? Est-ce que l'y créé emploi? Est-ce qu'il y a un travail qui crée dans l'État? C'est question ça non posée, mais en dépit du fait que nous pouvons gagner pour lui. Mais et combien d'employés qui gagnent dans l'État en un moment? Ou bien, mais l'un prend fonctionnaire en soi, il y a les hauts fonctionnaires, il gagne et l'autre personnel, il gagne de monde qui travaille en tant que cadre dans l'administration publique là, mais les deux contractuels qui ont même tout poté. Ça me décabre les compétences surtout pour appareil l'État pour faciliter l'État à fonctionner. Yo avoisiné yon 80 000. Yo avoisiné yon 80 000. Là bien incessamment pour nous communiquer aux chiffres exacts qui dans l'État sous le ministère finances. Mais parallèlement, alors ce qui fait une petite parenthèse ça, c'est l'un te prend, nous t'a fait considération ça de monde qui nouvellement nommé. Depuis mon nommé, le bon, au contraire de monde qui dit, ah, moi-même, moi, mon mec pour nommer là, moi, mon mec pour ministre, moi, mon mec pour directeur général. Et depuis on nommé, déjà, job moi tout assuré. Et job là, s'il vous plaît, c'est pas de monde comme si, et bah, gagne, car on va faire une révocation, oui, mais on va pas faire un débat avec mon ni. Ou on débarque avec pile monni et même là pour même n'est pas qu'on chaise bio chita parce que généralement c'est ça nous constater ou du moins ce monde n'a passé le prend chèque là il pas venir dans fonction pas venir dans job là pas jamais moi le même jour il présenté dans institution mais pas inquiéto et chèque là paré et l'elle paré ou elle seulement débarque elle vient réclamer chèque là là nous saluer institution et qui dépend du ministère de la justice et de la sécurité publique. Gon mal et plaisir, monsieur, prendre l'État pour débarquer et puis qu'on y a un bail les 4 cadeaux. Chaque période, fin d'année, yon débarqué 4 cadeaux. Et puis, petit 4 cadeaux, c'est 10 000 gouttes. Et là, on prend plusieurs 10 000 gouttes, on mettez ensemble, la cap payer au moins une dizaine d'employés. Et ça, oui. Et puis, est-ce que c'est obligé ces manifestations pour faire? Ou est-ce qu'on a fait manifestation pour qu'on a touché?
alors qu'elle pas employé la voirie, parce que gon habitude la caille, nous qui vient pour nous en vis, de viser dans voirie, nous ne travaillons pas touché. Hein, comme si on bon moun nan niveau administration publique là, et c'est monsieur Capno mais qui rentre dans l'état chaque jour, soit yo rentre à titre de directeur général, soit yo rentre à titre de coordonnateur général, ou bien yo rentre à titre de directeur général, yo débarqué en série de moun, et là yo débarqué, pas de chaise pour chita nan organe côté dans l'état à côté yo ya, qui fait l'état à venir choix le maman, et puis moun nan chita la caille ou bien dans l'autre fonction, mais le on contrat dans l'état, li gon contrat en côté. Et mais l'aile débarquée, les périodes de l'arrivée seulement viennent toucher. Et s'il vous plaît, moun sak panique, di pa pote anken rien comme compétence, di pa pote rien comme matière qui peut faciliter l'État à fonctionner. Et puis chaque mois, chèque li sorti. Et puis pauvre Valérie, m'pa di seulement ça ka balé seulement, puisque y'a un chauffeur là, dans tout, y'a de l'autre monde qui dans l'autre fonction, dans l'administration publique là, qui poko ka touché, et puis c'est lui-même qui joint toutes affaires, belle nan men li, toutes affaires nan men li, et puis, les périodes fin d'année, vous avez 4 cadeaux. Et c'est là, oui, pas gagné un contrôle effectif qui fait dans l'État. Monsieur n'a pas parlé de corruption. C'est dans le niveau ça tout pour nous agir. C'est dans le niveau ça pour nous vrai. Si n'a pas parlé de corruption, dans le niveau ça, faut qu'au moins gagne de regard qui jeté pour au moins faciliter. Pays n'a nous voulons construire, pays n'a rêvé construire, ça ne rêve pas puisque nous parlons d'un pays émergent en 2030. Là, je fais appel à Laurent Salvador Lamotte qui n'est plus de l'administration de l'État, mais songez dans toute intervention, ancien premier ministre Laurent Lamotte, c'était une fenêtre pour Haïti sous et projecteur international en matière de tourisme, en matière de création d'emplois, pour que l'État te gagne l'autre ouf, pour pays à pour étrangers à te gagne l'autre façon, pour monde cap coopérer avec Haïti, pour ouais nous pas un pays de mendiant, pas un pays côté il a plongé même bol côté il a plongé bol blé chaque jour côté il a metté même pour aider pour constituer budget national, mais un pays qui cap bay tête li et moyen pour le cap faire investissement pour payer moun kap travail là-dedans et pour faciliter développement pays en tout puisque ne pas appeler chaque jour pour nous rester dans bac des camionnettes là pour n'après les yogan même moun habitué dil. Alors question corruption hein? C'est une nécessité, mais monsieur et mesdames qui combattent la corruption et tout, faut nous montrer velléité ça, pour que là nous mayons un dossier pour parler parce que nous gagnons intérêt là-dedans, ou bien parce que nous avons un compte personnel avec monsieur avant dans une période de temps, parce que nous avons un problème avec X ou Y personne, et que puisque nous arrivons dans une situation, pied sous coule, nous pensons qu'à peser, mais faut que nous montrer senti et faut que nous montrer velléité pour nous combattre. Corruption, pas seulement velléité pour nous montrer, faut au moins gagner une action qui pose pour nous commencer par propre tête nous. Ma prend monsieur dame ou bien monsieur Sayo qui sien ou bien qui sien un document ça qui vaut bay bureau Sénat République là. Et c'est Évalier Beauplan. Évalier Beauplan qui c'est sénateur de la République mais qui est élu dans le département Nord et Nord-Ouest pardon, qui est élu dans le département Nord-Ouest mais sénateur Beauplan son sénateur Lavalas. Ricard Pierre, c'est sénateur du Sud-Est qui est élu sous bannière Petite Dessalines qui c'est yon descendance ou bien yon enfant et prodigue du parti Famille Lavalas. Nenel Kassi, sénateur d'ENIP, mais Nenel Kassi, c'est chef BMPAD. Il n'est pas directeur général BMPAD, il n'est pas directeur général adjoint, il n'est pas employé BMPAD, mais Nenel Kassi, c'est lui-même qui plantait directeur et BMPAD là. Avec Nenel Kassi, son est cap coupé raché, un sénateur de la République, mais cap coupé raché dans BMPAD. BMPAD, c'est bureau de monétisation des programmes d'aide au développement. C'est Nenel qui est directeur général dans BMPAD. Et c'est mon majoritairement, c'est mon NIP qui travaille dans BMPAD. N'a pas les corruptions, Nenel, c'est mon Lavalas tout. Qui est Don Kato? Hein, Don Kato, sénateur Don Kato, Antonio Cherami, encore, sénateur Lavalas. Qui donc, il y a 4 nègres de tendance. Lavalas qui signe un document ça, qui soumet à bureau Sénat République là, pour demander pour Chita sous dossier UCREF, enquête UCREF là sous Jovenel Moïse, avant citoyen ça, le président élu et de la République avant le prêter serment. Alors, pour que ça nous dit comme ça, nous t'es fait ouverture ça, c'est parce que n'a pas les corruptions. Et s'il vous plaît,
l'en parle de quantité de monde qui a investi fonction publique là, nous prenons deux aspects. Nous prenons aspect corruption, puisque corruption pas seulement chita dans le blanchiment l'argent. Dans la dernière loi et dernière loi sous le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme, et CULCC, Unité de lutte contre la corruption, avec le fameux colonel Antoine Atouiste, nous songeons, c'est avec lui. Et il y travaille en pile pour voir ça, jusqu'à ce qu'il arrive à voter dans le niveau parlement haïtien. Il travaille sous loi, mais actuellement c'est Antoine Atouiste qui est en tête. Konal. Mais Konal, il y a une quantité de monde qui est entré après Atouiste. Hein? Il y a une quantité de monde qui est entré, oui. Il y a une série d'employés qui sont dans Konal. Contrairement à Poco Sien, tout non? Contrairement à Poco Sien, il y a beaucoup qui a touché tout. Hein? Puis on a parlé de corruption. Et parallèlement, il y a une bonne monde qui vient pendant Atouiste investi dans tête Konal là. Il y a une bonne monde qui investit. Plus environ une vingtaine qui vient, et s'il vous plaît, il y a de côté par une chaise pour Chita. Par une chaise pour Chita. Pabli, on a parlé de corruption. Et tendance là, corruption pas seulement, même j'en saute dit là, l'on baille l'argent en bas pour bon service, l'on paye pour un service. Mais corruption en toutes ces façons, gestion en fait dans le niveau de l'État. J'en nous a fait bagaille, fon fait yo sans partialité. Et nous dit bien, corruption en tout c'est l'or en nous compte, qu'on prend aller, mais on prend de monde, nous quitte un pied d'achoppement, ou quitte on plein, on douleur pour nèg kap vina pour là. Et qu'on connaît dans l'État, il n'y a pas de capacité pour payer les gens qui travaillent pour lui. On vient avec une douzaine, alors que toi, c'est trois personnes qui apprennent. Ou mène d'ailleurs 10 personnes, alors que c'est 5 personnes qui apprennent. Tout simplement parce qu'on a besoin qu'ils t'ont tête chargée pour les gens qui viennent pour là. C'est ça, oui, qui est obligé de poser et à aborder ce sujet ça, puisque là le dossier corruption n'a bien pour nous venir avec loi UKF là, mais il y a deux bagages là-dedans, il y a avec la loi sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. Ils ont voté document, c'est vrai, gagnent actuellement ils ont document, ils ont action. Est-ce qu'on travaille dans enquête, disons mieux. UKF fait premier pas, ils soumettent lui à ils soumettent à responsable dans la justice, disons mieux parquet Port-au-Prince, qui par le biais de tribunal première instance qui soumettent à et rapportant à un juge d'instruction, c'est juge Brédy Fabien sous Jovenel Moïse, sous façon et transaction t'a fait dans business Jovenel Moïse t'a pu gérer. Et ben et là il y a deux aspects, le juge là il a instruit dossier, hein, juge d'instruction, bien que à proprement parler paquet recevoir lui, normalement, li pa gen pou le kembel namen, généralement, li pi facile pour chef paquet pour le passer le ban juge d'instruction pour l'instruire dossier, puisque et li chef paquet ou bien le commissaire du gouvernement, li pa gen prérogative d'instruction. Li pa gen prérogative ça. C'est le juge d'instruction à proprement parler qui vient pour instruire. Et le l'instruit, il a décidé et classé sans suite. Ça va dépendre de comment il a et comment il a signé. Ça va fonctionner de l'acquaintance lié avec individu ou bien avec monde ça qui est impliqué dans le dossier, il a accusé là. Ça, c'est yo. Mais parallèlement, nous connaissons le Sénat République là-dessus, nous avons volé comme ça. Nous avons Cour supérieure des comptes. C'est ensemble d'institutions. Nous avons UCREF, qui est une unité centrale de lutte contre. Unité centrale de renseignement financier et UCREF et puis ILCC, unité de lutte contre la corruption, ensemble d'organes ça yo gen prérogative pour instruire et pour enquêter, mener sous fonction l'argent à brasser non niveau l'État, c'est pas seulement dans niveau l'État mais ensemble d'institutions qui a fonctionné dans pays, hein. Toute institution qui a brassé l'argent, l'en pas les brasser l'argent, pas bre côté connotation négative là, mais prend monde qui a manipulé l'argent. Pour garder, est-ce que l'argent qui a manipulé, c'est est-ce que c'est bon l'argent? Oui, parce que quand on dit entreprise qui a fonctionné tout, le regardez, yo, ouais, yo, apparemment, yo, gain de bail, y a vendre, ça qui arrive, c'est de stock, à vendre rad, à vendre vêtements, gain de bail, c'est l'autre service, y a vendre, ça vous matériel informatique, gain de bail, c'est service internet, y a vendre, mais en bas, ça, gain de situation côté, c'est l'argent qui a blanchi tout, c'est l'argent qui a blanchi, alors c'est l'argent qui a brassé tout, son façon rondo, connotation brasser l'argent, il n'y a pas un concept côté négatif là seulement, mais il y a le côté positif de manipulation de la chose. Je ne parle pas de brasser l'argent, on nous dit en créole, mais normalement brasser l'argent, il y a de côté positif là dans tout. Toute entreprise qui a manipulé l'argent, mais on va brasser l'argent tout, mais
le côté négatif, c'est le blanchiment, l'a blanchi l'argent. Comme si entreprise ou a dirigé, hein, c'est pas une entreprise côté l'argent qui a rentré là-dedans, c'est pas là lui-même qui a bail l'argent, c'est pas lui qui fait l'argent, c'est bien bénéfice entreprise là qui bail l'argent va fonctionner, mais c'est de activité subversive, c'est ça nous l'ai dit. Alors, le Sénat de la République est en séance présentement. Josué Lexidor est en bas. Lui, il est notre collaborateur au Parlement. C'est lui qui prend le gain pour parler avec nous tantôt. Et en long et en large avec séance. Mais parallèlement, tu as gagné invitation qui t'est faite avec Camille Junior Edouard et Michel-Ange Gédéon, respectivement ministre de la Justice et de la Sécurité publique, et également directeur général de la Police nationale. Mais c'est autour de et dossier Guy Philippe là qui toujours retenu l'empan de l'actualité, puisque Guy Philippe, il est sénateur élu. C'est pas parce que le sénateur élu de la grandeur seulement, c'est la souveraineté nationale, que c'est orgueil de Saline, monsieur, ou bien citoyen haïtien, qui estimait qu'il fouettait notamment la Chambre des députés, qui était eux-mêmes lancé invitation ça. À ces deux citoyens, je veux parler notamment de Camille Junior Edouard, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, et puis le directeur général de la Police nationale, de qui dépend l'ensemble des unités de la PNH, que le TBLTS, c'est une unité qui sortit généralement sous ordre de la présidence, que le TBIM, que le n'importe l'autre unité des CPJ, entre autres, qui au même, c'est de direction générale PNHA, unité ça dépend. Alors c'est la façon dont Guy Philippe a été et conduit vers les États-Unis d'Amérique, notamment vers l'État de la Floride. Nabguin, et pour nous parler à Josué, et sous aspect ça, tout à l'heure, dossier ça, nous avons rappelé dossier UKF Latou qui devant cabinet d'instruction. Parole.com. On a parlement. Josué Lexidor, comment nous est? Nous, en forme, Tom Dumont. Bon, dans le moment, Jean Dillan, nous avons tout mis en direct et gagné le sénateur Valier Beaublanc qui a fait un point sur la question du rapport UKF Latou. Josué, en président République, là. Jovenel Moïse, que m'applaudit très fort, et effectivement, tout le bagage passe bien. Nous croyons, de par origine, nous capables de dire grand pile espoir pour son problème social. Et en tant que monde qui a fait politique, vous pouvez que il paraît très difficile pour moi, pour que la paix a parlé dans l'ensemble des dossiers qui viennent de qui sont une institution étatique, reconnue par la Constitution, et en plus, directeur d'opinion a parlé des dossiers de corruption qui penchent sur le et tout ça. C'est pas une explication qui taille. C'est une explication au bavail. Tout peut, nous avons des responsabilités et des débats des avancées dans le Sénat pour recevoir prestation différemment président de la République. Nous avons regardé la commission de transition qui est en place là, qui va faciliter la tâche à l'équipe de Jovenel Moïse. Encore, il y a des gens là-dedans, des suspicions qui sont dans et moi, qui quand même là, à quelqu'un qui est venu comme président de la, à l'époque, qui était président de la commission anticorruption, qui est indexant, comme des mots. Nous regardons hier soir encore à travers Facebook et les médias internationaux, on a fait que le président tourne en regardant la délégation, à quel type de monde dans la délégation, ça, la fois encore, c'est des mots qui sont suspicions sur l'eau, sans qu'on ait des mots, le dictateur, sans qu'on ait des mots tout, le dictateur drogue. Maintenant, on a un grand pays, chaque fois qu'ils sont allés au soulever, pas du tout accusé personne, mais nous, nous accusons des responsabilités pour répondre, pour que nous capables de faire quelque chose. Pour que deux personnes ne disent pas qu'on est, pour que personne ne dise que les bagages qui ont soulevé le sénateur, maintenant qu'on ne pas qu'on est parce que nous sommes pouvoir, au groupe de sénateurs qui prend responsabilité devant l'histoire, qui m'a dit, président de l'Assemblée, pour questionner nouveau élu, quelconque élu, sous question de corruption qui penche sous lui, pour que nous-mêmes, puisque je ne dirais pas d'argent pas décidé, d'argent décidé déjà, d'après ça, on dit, mais nous-mêmes, sénateurs, nous allons nous décider parce que pour le lever, pour nous voter. Mais on s'est accusé, Bill Clinton, est-ce que c'est des proches de Bill Clinton ou des Bill Clinton qui te répondent?
Et on t'a accusé ça aussi, des forces de ça aussi ou que ça aussi qui répond. Est-ce qu'Haïti son pays exceptionnel ou en Haïti ses proches qui répondent ou faire concerner? Moi, je souhaitais que c'est concerné à qui par responsabilité. Parce que mon vote, prestation de serment, son vote est lié. Parce que chaque monde qui a des responsabilités ou vient dans la séance sous la même temps parce que c'est reconnu par la position. Président pas des responsabilités pour le choix au Premier ministre. Premier ministre Paul Guedeschal, Paul Moral, pour voir ensemble de monde. L'équipe qui doit côté là, est-ce qu'on trouvait que ça crie les gens des mots qui vont côté, est-ce qu'on n'a pas posé problème avec un journaliste habité? Et c'est responsabilité ça à nous là, pas pour n'accuser personne, parce que tout le monde va nous accuser personne, on a tiré attention sur les états sous corruption qui penchait sous le président de la République, hein, et ensemble de monde qui doit côté Rio tout. Regardez qui t'a dit et qui responsabilité on vient face à la soie. Parce que, puis devant, si nous faisons erreur, d'habitude, c'est l'histoire que vous jugez nous. Donc, il y a tout le monde qui descend le bateau, hein, qui dit que, à partir de aujourd'hui, nous descendons le bateau à ce corruption, nous descendons le bateau à ce drogue, nous descendons le bateau à ce crime, et jusqu'à ce que tout soit clair, aussitôt que tout soit clair, d'après mon débat. J'ai hâte de suivre. C'est pas vrai que moi-même, ouais, l'attitude que je vais adopter, c'est même l'attitude d'abord. Parce que autrefois, moi, je suis un génie pour bon. Si il y a des gens qui ne sont pas gagnés pour tout le monde, je dis bien. Mais sauf si la même des pays, la même des pays. Maintenant, il y a une responsabilité, après une déjouée, ça, ou un petit président de la République, côté d'un sénat de la République, il y a quatre sénateurs qui écrit, qui dit qu'il y a d'autres qui vont se souligner. Notre dérive que je vous dis, c'est responsabilité, particulièrement la justice par rapport à la question. Et nous sortions l'aide pour nous attirer l'attention. Tout organisme, tout le monde qui est dans la société civile, qui toujours a défendu les valeurs morales de notre pays. Et que je dis à vous, peut-être, des fois, malheureusement, nous sommes là, mais il y a un peu notre collègue qui a fait qui tout. Ne pas la rue d'après le signe. La prochaine étape, c'est nous allons là, probablement nous allons gagner n'importe 6 à 7 finales ça va dépendre des réactions de ce qui concerne. Au cas où. Les réponses qui va le bailler, parce que les réponses, c'est des réponses négatives étatiques. Ça veut dire que c'est la justice qui va le bailler. Ça veut dire que tout le monde va le well. C'est pour être statut, on a dit justice spéciale, pour que nous mettions en place pour le bailler justice. Oui, par exemple, on va être national. En fonction des décisions qui sont sorties, position avec lui. Est-ce que ça peut vous avoir dans le dos? Je vais vous dire, les quatre sénateurs, nous-mêmes qui choisissons par en bas qui était à terre, nous disons qui ça? Nous disons, nous n'avons pas de problème, je dis à monsieur, mais ton président, mais nous voulons si mon président Kabine, là, pour le cas, l'aile pour aller discuter à l'autre président, pour même proposition qui en passe notre président, ça, ou pas, il fait un dossier sous tout le monde, ça. Et je pense que c'est ça qui est pendu sous tête, et Jovenel là. Nous-mêmes, nous avons aimé les miens fait sous lui avant même que c'est février. Nous chita pour nous dire bon, nous avons un président qui vient là, qui peut être devant nous. Et je pense que tout le monde, ni pour le président, tout la pompe,
Parce que là, je dis à des gens qui m'ont dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et moi, nous sommes des documents dans nous, nous-mêmes qui permettent que nous posions action ça. Et moi-même, je ne pas une séance côté que Pape Olivier qui fait ça. Ça me fait très souli et je ne suis pas de camarade, je vais mettre une séance côté. Il n'y a pas de lumière qui fait. Parce que je connais tout ou tard, bagaille, ça va bien pour le faire. Oui, toujours. Parce que nous avons un document dans nos mains. Et je pense que c'est très sage que le président, rapidement, on en a ici, qui j'en sais. Son dossier, s'il était qu'à blanchir, il s'est bien blanchi nos jours. Ça veut dire, là où un dossier n'est pas qu'à blanchir, il y a un bagaille derrière. Et je pense que je dis à tout le monde qui dit, je ou on a ici, qui a avancé, je dis à un intérêt, en paquet dans ce stade. Pour annoncer les couleurs, sénateur. Bon, il y a un travail qui est important. C'est ça qui est fait. Et Jean-Président, Jean-Christophe, président pays en ville, il y a de l'eau, il y a un monde, il y a un soleil, en bas soleil, la première justice. Tout le monde, président, en bas soleil, la deuxième justice. Et ça n'a pas été fait. Voilà, samedi dimanche. Alors, oui, est-ce qu'on peut faire parler soit avec sénateur Beauplan ou bien Enel Kassi ou non? Oui, la vestie, nous parlons, parce que la conférence, nous allons parler avec le sénateur de Valier Beauplan, nous avons à Bruxelles. Voilà, nous avons avec le sénateur Beauplan, qui est à l'FM, oui, et alors, ben, nous, bien comme tout le monde qui a envie que vous êtes le sénateur. Oui, allô? Oui, sénateur, comment nous est? Bon, démarche nous en quatre sénateurs si y a un document, démarche nous en qui s'allie en quelque sorte. Mais j'ai l'impression que je m'apprécie très mal. Mieux vaut journaliser un bon reportage ça parce que je m'apprécie très mal. Non, sénateur, nous avons une question pour vous. Je m'apprécie très mal, je ne vais pas répondre. Sénateur Beauplan, nous avons une question pour vous. Oui. Bon, démarche là en soi, qui s'allie? Pas de démarche qui fait. Je voulais attirer l'attention de la société à son ensemble de faits. Et l'État retrouve à être pour élu. Ce n'est pas aux démarches. Parce que jusqu'à côté d'un palais, parce que je reconnais cette institution qui est l'ULCC. Maintenant, si l'ULCC pose un rapport, nous-mêmes, comme pour le sénateur, pour qu'elle responsabilité pour demander à l'Assemblée pour prononcer le citoyen. C'est ça que nous faisons, nous attirons à l'attention de l'Assemblée sous responsabilité de quelqu'un pour que. Nous débattre autour de rapport ULCC. Et nous, c'est alors parmi quatre signataires au document ça et lettre ça qui adresse à l'Assemblée, c'est quatre signataires de tendance Lavalas, je dirais. Mais nous ne pouvons pas parler de la valance, nous parlons des sénateurs. Non, elle... Pour le sénateur de la République prenant avec importance, il y a toujours des sénateurs. Pour la vérité. Mais dans notre pays du monde, même s'ils sont seuls sénateurs, il y a trois que le gagne. Pour la vérité, pour l'histoire. Ils sont un tiers de 10 millions d'habitants, en fraction de 30 mounes représentent quelque chose, voire s'il y a 4 mounes. Ce n'est pas une question de tendance qu'on parle là. Alors, sénateur. Question de sénateurs de la République, à 5 sénateurs, comme on a 8 clauses ou à l'Assemblée de 30, tandis que 4 sénateurs vont en pile dans l'Assemblée de 30 sénateurs. Et si un des grands pays, tels que les États-Unis, voit un seul sénateur, ça vaut 60 sénateurs. Alors, sénateur, c'est pour faciliter, pour éviter mes interprétations, pour que nos yeux citoyens puissent préparer son démarche intéressée. Allô, sénateur Beauplan? On va souhaiter ces téléphones. On va souhaiter ces téléphones Josué que tu as dit change. C'est peut-être un gros coin. Ça, les déterminants. Est-ce qu'il est possible pour nous rejoindre Josué? Et Josué Lexidor. Oui, Josué Lexidor. Nous devons demander sénateur, étant donné que yo gagné en quelque sorte. Et c'est pour éviter à ce que pour pas gagner mes interprétations, pour pas gagner bon côté public là, pour t'a éviter mes interprétations, pour pas rester à une démarche intéressée. Est-ce que vous avez une possibilité pour rejoindre le sénateur? Le sénateur a pas été déplacé comme souvent, mais entre-temps, il y a un sénateur là où Josué. À part de quatre sénateurs, ça c'est bien l'autre parlementaire qui eux-mêmes rejoignent dans l'IDEA. Non, au moment d'en parler, là, c'est quatre sénateurs gagnants, sénateurs numéro 4 qui
qui lui-même n'a pas essayé. Alors nous allons venir pour nous prendre un livre pour peut-être répondre à la question que au même on t'a posé. Nous avons avec nous Nenel Kassi, Tom Dumont, qui a posé des informations sur quatre sénateurs qui signent l'être pour demander pour faire lumière sur le rapport X. Allô? Oui, sénateur. Allô? Sénateur, comment nous est? Nous bien. Sénateur, bah nous avons l'idée, est-ce que nous voyons de l'autre collègue qui a lié à qui l'idée ça, ou du moins dans la lettre nous signée adressée à bureau pour faire lumière sur le dossier UKF là, bien avant, prestation serment et Jovenel Moïse? Effectivement, nous avons ensemble des sénateurs qui approuvé des matchs là, mais malheureusement, des gars qui sorti l'être là. Il n'y a pas de temps de là avec nous. Mais on promet maintenant une prochaine étape dans le cadre des dossiers. Ça, parce qu'il y a des sénateurs là qui ont une question de moralité qui a défendre, une question de principe qui a défendre, et il y a des bagages qui n'ont pas rentré là-dedans. Sur cette base, nous pensons que plus devant, nous parlons. Un ensemble de sénateurs qui parlent aligner avec question ça. Et nous un sénateur tout et l'un prend ensemble de monde qui signe et lettre ça, on prend quatre sénateurs ça yo. Bon quand même nous sommes d'accord avec que sénateur Nenel c'est membre famille Lavalas, sénateur Beauplan, Don Cato dans un certain sens. Est-ce que pas gain nous pas fait en sorte que pour éviter que bon côté public là pour pas son démarche intéressée. Non, nous pas parler des partis politiques dans notre là, et nous pas parler tout des tendances politiques dans notre là. Nous parler des les sénateurs sous-signés, ça veut dire ces sénateurs des cadeaux de façon totale, ça veut dire sont sénateurs les gains des positions sénatelles et les la exiger respect et les lois républicaines et dans ce sens ça. Pas une question de parti, pas une question de chapelle politique. C'est plus une question de principe et le respect et des lois établies. Et à part de quatre sénateurs, ça, combien encore nous viser, sénateur Nenel? Et probablement, je pense que j'en ai senti réaction et collégiaux. Et je pense qu'il y a plusieurs sénateurs qui ont rejoint nous. Et s'il le faut pour nous arriver, joindre majorité sénateurs, rejoindre nous sur la question ça, je pense que c'est là pour bien pour le pays. Parce que quelque part, si nous entrons, des cas où, gens qui peut-être nous sentent qui sont épais avant de parler nous là, gens qui ont moins de monde dans la société qui a fait silence et sur la question ça, et je pense que c'est un coup pour le pays, son coup pour le monde qui plus fait bio. Parce que la coopération qui nous connaît, il y a un pile là-dedans et qui n'est pas capable de respecter parce que il y a des institutions internationales très prestigieuses qui n'est pas d'accord chita avec n'importe qui président, qui n'est pas d'accord chita avec n'importe qui monde. Et je pense que dans ce sens, il est important pour le dossier ça, les vider et qui permettre que tout le monde se sente confortable avec Kevin Swamoun qui est président. Alors, nous connaissons, à part de Jovenel Moïse, il y a des débats nous avons évité. Il y a un ensemble de Zach qui ont été reprochés à Michel Martelly, Zach Corruption, notamment dans le ministère de Planification et Coopération Externe, il y a été reproché à Laurent Lamotte, BMPAD, tout ça. Est-ce que parallèlement, il y a de l'autre ou enquête qui a continué à mener passer dans la République là, tant qu'on a une institution sur une société là, notamment, bon côté BMPAD et puis et Coopération Externe? Pas oublier, bon premier rapport, commission éthique et anticorruption a présenté, et que bon commission spéciale qui montait sous les pour approfondir, et moi c'est dans le cadre de ça, il y a un peu de lumière pour le faire sur ensemble des dossiers. Mais l'un grand dossier ça, avec dossier qui n'a pas les cognats, c'est des dossiers différents parce que c'est des mondes qui nous ont questionné gestion, yo. Mais c'est des mondes qu'on a parlé des mondes qui peut-être prennent des responsabilités au nom de toute nation. Hein. Et sur cette base, faut nous garder est-ce que les mondes ça, les qualité, mais est-ce qu'ils remplissent toutes conditions pour aller parler dans nos nations, hein, pour parler au nom de tout le monde et pour parler avec toute l'autre institution internationale, bien de l'autre partenaire international, de l'autre homologue international. Est-ce que et mon ça réunit condition ça. Comment nous est 7 février? Et d'après nous-mêmes, même Jean Dédié, son démarche et que KEP a en parlé là-dedans, qu'il ne va pas côté nous parler, il y a un peu d'incertitude. Parce que c'est pas nous, c'est pas peuple là qui a mené le processus, hein? C'est pas participation majorité population qui est là-dedans. Ça veut dire, nous avons toujours été absents et à garder pendant qu'il a fait un appel
à la mobilisation et pour la population était beaucoup plus vigilante pour les vivre avec acquis démocratique yo, et pour certains que les cadeaux intérêt peuple et intérêt mon qui fait bio jeune garçon jeune femme qui pas travailler dans pays là qui intérêt yo qu'a tenu compte et me question dans sens ça et que moi-même côté Milan je ne pas capable aucune garantie sur 7 février là. Et nous devons être tendres pour nous. Et sénateur Kassi, ou l'on parle d'incertitude, ça, on parle là. Est-ce qu'on cap déboucher son scénario côté et Jovenel Moïse pas arriver à investir dans le palais national? On fait une autre hypothèse. On dit que la justice, pour l'autre fois, t'as pris responsabilité dans le pays et puis on a inculpé les candidats en question. Et on a qui ça va le passer le 7 février? Est-ce que il y a des références? Est-ce que il y a des références dans ce sens-là? Puisque là, nous t'as évoqué tout à l'heure la Wall CEPA. Par exemple, un citoyen avant même d'y investir, soit le candidat à la présidence ou quelques postes que ce soit à niveau l'État, gagner un casier judiciaire, gagner ensemble de pièces que vous exigez. Dans la mesure où enquête sur pas abouti, soit vous t'avez découvert que le tenant de l'activité subversive, est-ce que quelque part Conseil électoral provisoire n'a pas gagné propre responsabilité de la niveau ça? Effectivement, conseil électoral, là, journée jodia, j'aime tout de là, la voulait en faire les pays à non crise pour permettre que les gens qui fait mieux continuent à souffrir. Et m'de dit ça, son micro-frère, écoutez, m'de parle, m'de dit, et que journée jodia, et la crise que nous allons avancer là, pas qu'il y a l'autre monde qui a une responsabilité que c'est les pays. Et dans ce sens-là, CEPA a décidé de fabriquer un résultat pour bail sous pression des cadres ou ensemble des ambassadeurs, sous pression tout le monde dans le secteur privé pour permettre que yo assoie hégémonie. Et moi-même, m'a profité de l'occasion ça pour nous dire li pas tout le temps pour yo épanier pays dans une situation difficile, dans une situation chaotique et qui va favoriser ça les investissements, qui va favoriser ça les créations d'emplois, qui va favoriser ça les investissements dans le pays. Moi, je pense que c'est important pour nous garder ça. On lance appel ça sur plusieurs radios en capitale là pour atteindre ça et qui a pris des décisions pour le pays dans notre peuple là. Pour ressaisir et pour y avoir des gens qui ont dénoncé pour l'État électoral. Ça a raison dans l'intérêt de la population. Merci un peu, sénateur Kassi. Merci. Voilà. C'est dans le Sénat République là, noté. Nous entendons comment ça y est. Josué Lexidor qui t'a dit merci, qui facilite non, t'es gain accès à sénateur Beauplan, sénateur Nenel Kassi, et qui, dans l'interview, t'a fait toi avec l'autre journaliste qui est accrédité dans le niveau parlement. Nous voulons parler d'Antonio Cherami, Don Cato, Eric Pierre, qui t'a fait lumière sous démarche ça, côté, alors, non, dit démarche dans la mesure où gain on correspondance qui est écrit et adressé au bureau du Sénat de la République pour demander, et au moins, si assemblée des sénateurs, yo statué sous rapport UKEFLA, qui fait qu'on ait gain de l'argent, qui soit inactif, Jovenel Moïse, comme, et président élu de la République, et que l'agence a pas gain un lien à ouais, activité et business que le gagnant. Dans ce sens-là, tout nous profiter, fait appel là. Qui donc nous attendait, sénateur Nenel Kassi, qui parlait de l'incertitude autour de la date du 7 février, date consacrée par la Constitution haïtienne à l'investiture du nouveau président, ou à l'inauguration hein, du mandat du nouveau président élu. Palais.com. N'a pas fait le nécessaire pour nous entrer en contact avec un membre. Et parti haïtien tête calée et on n'a pas de parole éventuellement li cap docteur Oudier Rivo li cap Guichard Doré consa tout li cap Renal Libéus pour moi sont capable recueillir position par rapport avec dossier ça qui passe sans incidence hein, qui passe sans conséquence sous nouveau sous mandat Jovenel Moïse
qui là gagné et deux difficultés ou deux incertitudes, si nous avons utilisé propre mot. Nenel Kassi, Haïti aujourd'hui, sous antenne Signal FM 90.5 en stéréo. Bon, et merci Timothée Jean-Wack. Merci à l'auditeur et à l'auditeur Signal Yo, parce que nous avons toujours été brachés. Haïti aujourd'hui, n'a pas quand même fait tentative pour nous rejoindre deux responsables dans le PHTK. N'a pas parlé de monde qui gagne un droit. Hein, qui investit du droit de la parole, qui doit parler dans non structure politique ça, sous dossier si là. Et à titre de réaction, alors, c'est un avec deux mondes à eux, et bon, ça va arriver, docteur Ivo également, et Rénal Libéris, c'est également Guichard Doré. Alors, monsieur, numéro nous souhaiterait les noms là, qui finit par 88-89 là, c'est pour moi, c'est Tom Dumont. Nous mettre répondre, du moins ce que nous avons retourné m'appel là, sur deux numéros ça, puisque là, nous fait tentative là. Pour moi, nous sommes entrés en contact ensemble avec eux, puisque là, et nous cap dit, est-ce que c'est Jovenel Moïse qui est en difficulté, ou bien le mandat de la présidence de Jovenel Moïse qui gagne un petit problème? Dans la mesure où le mandat en soi, c'est déjà accordé par la population, c'est sanctionné par le Conseil électoral provisoire, c'est déjà publié dans le journal officiel Le Moniteur, mais le 7 février, c'est une date, il y a de l'incertitude, hein. Il y a de l'incertitude qui entoure la date du 7 février, date consacrée à la prestation de serment suivie de l'installation du président élu de la République en la personne de Jovenel Moïse, qui inculpé, disons mieux, dans un dossier du CREF, l'unité centrale du renseignement financier, rapport ça, qui t'a fait quoi gagner de activité, gagner de l'argent qui a passé dans la main Jovenel Moïse, mais qui n'a pas gagné un lien à ouais avec l'entreprise. Li. Alors, je dis à qui sa nouvelle là, c'est quatre sénateurs de la République qui écrit à Sénat, à Bureau Sénat, pour demander pour statuer autour du rapport de l'UCREF qui concernait Jovenel Moïse. Quatre sénateurs, ça a aussi Évalier Beauplan du Nord-Ouest, Ricard Pierre du Sud-Est, Nenel Kassi du département des NIP, Antonio Cherami du Don Cato du département de l'Ouest. Yo, fait qu'on ait gagné de l'autre sénateur qui t'a manifesté volonté pour t'a allié yo dans dossier si là, pour t'a monté à bord. Mais nous pouvons gagner aucun nom, Naoun Marcellus Taler qui a parlé avec l'autre journaliste, mais dans l'intervalle, nous t'es occupé avec Nenel Kassi. Eh bien, nous attendons, puisque là, monde qui se membre PHTK, parti haïtien tête calée, yo même tout yo gemo pa yo pour yo di, comment yo wè 7 février, comment yo wè démarche parlementaire yo sénateur sa yo, puisque c'est de sage, entre guillemets. Non dit sage, dans la mesure où, et souhaitons que démarche sa, pas gagné, de ces bataillons démarches intéressés. Entendons par là, c'est pas de compte personnel, ou du moins de bagaille politique, de couleur de bagaille politique, même Jean nous tapé, nous t'étendait hier avec Oudier Rivaux et sur l'autre station dans la capitale là, pour que ces pas de bagaille intéressés. Toutefois, c'est à une façon pour faciliter Haïti, Haïti diriger autrement. Pour faciliter que au moins sur Taoué Haïti notre façon, mais pas oublier, nous t'ai parlé avec Nenel Kassi et qui a été fait ouverture de rapport et d'enquête qui t'a mené sous gestion administration Matelia, sous façon fonds Petro-Caribé à lui-même, l'été géré sur l'administration de Martelly, comment yon série de l'argent est dépensé dans ancien régime nan. Eh ben nous avons quand même t'a souhaité monsieur bon succès dans outre, mais toutefois souhaitons que c'était barrage de c'est pas il y a taillon démarche intéressée, puisque la République t'a tiré bénéfice hein, de démarche ça. En attendant, et disons mieux, micro nous toujours été ouvert à du responsable du parti haïtien tête calée. Pour monsieur Takab intervenu, nous parler de docteur Oudier Rivo, c'est eux qu'on parlait dans nos PHTK, nous parler tout de Rénal Libéris, c'est lui tout qu'on parlait dans nos PHTK, ça ne va pas dire au monde tant que Guichard Doré, c'est eux tout qui qu'on parlait dans nos PHTK. Alors, ça veut rappeler monsieur et sous numéro ça, nous avons fini par 88 89 là, c'est vous Tom Dumont et micro a toujours été ouvert, il y a une possibilité pour nous capable intervenir.
et normalement. Alors, et dossier corruption, on a pu parler là, yo, nous t'ai dit tout à l'heure là, corruption c'est pas seulement parce que on néglité gain de bah qu'on est libéré plus l'argent pour venir au service dans l'administration publique là. Mais c'est un bagage transversal dans la mesure où il y a toute façon de manifester et l'argent battable dans qu'on nous dit lui et mais et bon citoyen, n'oubliez pas les de lui. Et bon citoyen, n'oubliez pas les de lui, c'est Yves Romain Bastien, nous songeait tout bruit ça t'est fait avec un parlementaire qui tapait, qui te fait connaître de l'argent qui détournait dans même monsieur. L'argent détournait et nous voulons parler de et Alfredo Antoine, député circonscription Kenskoff, qui était longé douette sous Yves Romain Bastien, le ministre, le grand argentier de la République, le ministre de l'économie et des finances. Hein, et nous songer Yves Romain Bastien qui lui-même tout est monté au créneau pour te disculper tête li hein qui t'est tenté disculper tête li mais dans l'intervalle et yo bail un rapport matin sous ensemble de dépenses qui t'est faite dans ça qui vient avec dernière élection yo et n'a parlé de élection qui couvrit période 2016 à 2017 puisque nous connaît élection 9 août avant yo n'a parlé de année 2015 yo c'est à sous administration et Martelly sous gouvernement Evans Paul Capé c'est yo c'est sous yo l'agence ça yo yo était alors c'est élection ça a été dépassé mais et Yves Romain Bastien et Cabinelli ensemble avec lui ensemble avec Cabinelli ont présenté un bilan sous dépenses qui ont été sous l'argent qui ont été dépensé dans cas d'élection dernière élection on a parlé d'élection 2016 2017 yo bien que processus ça il peut qu'on finisse épuisé et des questions ça au profit de l'institution dans cas d'élection on a parlé d'administration privée Jean Charles bio secrétaire d'état à la sécurité publique. Il y a un fonds qui est dépensé pour lui. Alors, dans l'ensemble, combien ça y est, comment des questions vous faites? Montant qui fait en goutte, sorti dans la période 2015 à 2016. Des questions au profit d'autres institutions dans le cadre des élections. Il y a un premier montant, sorti période 2015-2016. Yo. C'est 345 milliards 800 et non c'est 345 886 296.69 goudes, montant c'est des montants qui est dépensé en goudes et pour la période allant de 2016 à 2017 c'est 337 200 060 goudes qui dépensé au total pour cette période et subventionné c'est 723 086 356 dollars 69 goudes. Bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique, BSESP, 24 millions de goudes pour la période allant de 2015 à 2016. Et au total, c'est 24 000, puisque pas de gain, l'argent qui était dépensé pour secrétaire d'État à la sécurité publique, toujours dans le cas d'élection passée, dans la période 2016-2017. Pour la police nationale, c'est pour la période de 2015-2016, il a dépensé 53 247 716 gouttes 50. Pour la période de 2016 à 2017, c'est 197 200 060 goudes pour la période de 2016 à 2017. Et au total, il a dépensé pour ces deux périodes 250 millions de goudes. Alors, 250 447 767 goudes 50. Ministère de la Communication, la radio et la télévision nationale. Pour la période de 2015 à 2016, j'ai décaissé 6 666 570 569 goudes 19. J'ai pas fait décaissement pour période 2016-2017 là, ça qui fait montant arrêté idem pour cette période de 2016 à 2017, c'est 6 670 549 goudes 19. Commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale, notre siège national, pour la période de 2015 à 2016, c'est 28 715 120 goudes 02. Pas gain d'encaissement pour période 2016 à 2017, là, puisque commission, c'était commission qui était commandant, non, pour une durée déterminée.
qui donc total dépense là c'est 28 715 120 gourdes 02. Autre dépense pour la période de 2015 à 2016, 233 252 910 gourdes 98. Pour la période de 2016 à 2017, c'est 180 millions de gourdes. Au total, 413 252 910 gourdes 98. Ça, c'est montant, ça, c'est un draft, disons mieux, et un résumé de dépenses qui décaissaient pour période électorale. Togala qui au total et bah un montant de 723 086 356 gourdes 69, montant ça qui décaissé en gourdes. Alors et son jeu intelligent de la mesure où Yves Roumain Bastien, actuel ministre de l'économie et des finances, qui eux-mêmes est décaissé. Alors, c'était présenté bilan dépenses pour période 2000, pour période 2016-2017, dans quatre séries dépenses qui faites pour élection passée. Bon, c'est un peu intéressant, dans la mesure où ça n'est les redditions de compte là, et que dans le niveau l'État, ça respecté, dans le niveau l'État, t'as gagné de démarches comme ça. T'as pas, mais une n'a qui est intelligent et une n'a qui est intéressant que Négionnel l'État fait. Nous parler de et le droit à l'information. Droit à l'information, son droit qui est garanti par la Constitution haïtienne. Mais on connaît plusieurs fois, on a besoin de nègres pour faire un remède, pour faire un dossier, on est responsable, pour faire un dossier, ou pas un nègre là. L'on parle dans le bureau à secrétaire Mandou, est-ce qu'on te gagne rendez-vous? Pas de problème, non, quel que soit côté lié, quel que soit dans le pays, dans le monde. L'on pas qu'à débarquer dans le bureau nègre là, pour n'importe qui l'on vient demander information. D'ailleurs, faut un agenda. Et tout le monde qui respecte tête lié, ou bien tout chef qui respecte tête lié, il doit un agenda. Pour qu'on est à 10h, entre 10h et midi, ou bien 10h, 11h, qui ça a rien pour le faire? Qui s'allient pour le faire entre 1h et 2h? Est-ce qu'ils ont rendez-vous, soit dans le palais national, puisque dernière fois, nous disons des camions juniors, ils doivent parler de conflit d'agenda, dans le cadre d'invitations qui ont été faites au niveau Sénat République, là, ou bien au niveau Parlement. Nous attendons des conflits d'agenda. Ça conduit que vous faites un égard d'invitation, bien, dans le moment qu'on débarque sous l'IA, et que l'autre rendez-vous, du moins, si t'es l'autre élément qui est inscrit dans l'agenda, il faut l'exécuter. Mais où qu'on est ça grave, des fois chef la gen téléphone non, ou relève li pas disponible, ou écrit li pas disponible, mais pire, ou prend rendez-vous avec secrétaire li, des fois ou pas bonne. Et nous ou bien oui ça arrive c'est pas ministre là mais directeur général là ou bien directeur administratif là son forme ou son l'autre ou besoin de gen de information pour gen de dossier pour faire ou pas bonne. Des fois on a proposé à journaliste haïtien yo comme si c'est pas fait trois enquête. Mais le problème n'est pas là. C'est pas volonté qui manque. Des fois, c'est parce que nèg la gen de bay la caché, gen de cachotterie, gen de bay nèg a géré, ou du moins soit le géré moun, ou font façon pour dossier le pas sorti dehors. Malheureusement, c'est comme ça lié. Hein? Malheureusement, c'est comme ça lié. Et c'est fait des fois, on fait des jeux intelligents, yo allez, yo cumulé de données, et que yo gonflé de chiffres, et puis qu'on est à yoé les journalistes, nous qui semblent de idiots utiles, parce que pour ça, yo prend nous des fois. Comme si yo gonflé chiffre et puis on a eu les nœuds en conférence de presse et que sous gain deux questions devant le ministre prend deux questions. Hein, ou bon nèg soit qui veut dehors le officier de communication mais bon cinq questions. À la guerre d'ou deux, ça arrive deux ou gain de sujets particuliers qu'on besoin discuter avec nèg là, pas disponible dans moment puisque li confiné élection, alors pardon pas élection, li confiné conférence là, non jeu de questions réponses, mais les dossiers profonds, les dossiers utiles de la nation auraient été voilés, auraient été fermés, auraient été cachés et c'est lieu qui gagne. Et que les ont décidé comme si et la presse là et de ti moun qui était avec eux, yo seulement relo ba en conférence de presse. Alors c'est vous-même là où il y a besoin, vous n'avez pas qu'à venir. Yves Romain Bastien, il était membre du conseil d'administration du CEMEP. CEMEP, Conseil de modernisation des entreprises, de la modernisation des entreprises publiques. CEMEP, nous sommes chez CEMEP en 2010. Dossier Téléco, nous sommes chez eux. Pas de problème, non, si nous avons modernisé. Mais nous sommes chez Yves Romain Bastien. Yves Romain Bastien. Et c'est des membres du conseil d'administration qui passaient environ 20 ans dans CEMEP. Il est actuellement ministre de l'économie et des finances.
Alors, je vais rappeler ces mêmes plats, vous voulez dire qu'ils sont pour vous, puisque ces mêmes plats, c'est par le biais de lui-même qui pral, qui fait étude pour connaître qui est dans l'entreprise. Moi-même, je vais tirer réserve par rapport avec Télécommunication nationale d'Haïti, la Téléco. C'est vrai, le pas rentable, mais l'on prend communication, système communication au pays où vanni, même que c'est à 60% vanni avec une autre nation, comme sous bal contrôle fonctionnement l'État ou bal contrôle communication pays, ça veut dire en pile. Là, sous bal ça, nous saluons René Préval, nous saluons nek tout en couchant Bertrand Aristide. Hein? Nous saluons de monde comme ça, puisque si on est aujourd'hui ou bien vous arrivez dans une situation côté Téléco, il n'est pas rentable, monsieur Sayo, qui t'a fait passer une décennie dans tête l'État, t'as une explication pour fournir à la nation. Jean-Bertrand Aristide investit le 7 février 1991, René Préval investit en 95-96, alors 96 jusqu'à 2001, Aristide reprend en 2001 et il quitte le pays à suivre par la force des choses en 2004, 29 février. Qui donc Téléco, que nous avons plein pour les patrons table, qui pas de bail trop lettre, parce que ça melte, on va chaler pour un monde, pour un série de monde. Et qui devait réduire ça, devait réduire, qui n'était pas obligé de trouver dans la situation, quand on devait liquider. Pour qui ça pas de entreprise nationale, qui était prêt à faire acquisition ça, qui pas obligé, c'est de vieux blancs, j'ai chiré vietnamien qui l'a, pardon si me dis vieux blanc, c'est bon façon pour moi, capable de faire une connotation négative, mais le système de communication, le système de télécommunication d'un pays ne saurait être appartenu et à un autre pays, puisque nous gagnons ça où l'État, si n'a fait l'État, ou façon pour nous diriger un pays, puisque le pays a gagné de normes. Les soumettre à deux, il y a deux critères qui doivent réunir la caille paysan, la caille, on peut. Système de communication, hein, les pas cab soumettre à appréhension étranger ou bien de étranger. Là, nous comprenons bien. Si nous avons des gens qui disent des salines, si nous avons des petites pétions, on sait de l'autre encore, les gens qui font business dans le pays, c'est pour nous montrer qu'une barre étrangère, il faut qu'au moins nous puissions éviter que Téléco ait pas de main de nègres, tant qu'au Vietnamien, aujourd'hui, tant qu'au entreprise Vietel qui a géré, et ça grave là, c'est de nègres qui étaient petites des salines, mais petites pétions, Christophe Toussaint avec l'autre encore. C'est yo qui t'a pas le réduit Téléco, ça le devine réduit, t'es pas l'obligé, par la suite, nous t'a pas le liquide li, qui fait ces deux étrangers, qui t'a pas le contrôle, système, communication, pays. Alors, corruption, c'est un paquet de juifs, si n'a pas parlé de corruption, d'un coup, ça y est pour rapport UKF là, un sénateur républicain qui a enquêté pour sénat Chita sous dossier ça, tout ça, nous sommes évoqués là, c'est deux éléments qui viennent à ouais avec la corruption. Souhaitons que ce soit pour le bien du pays, mais la date du 7 février demeure incertaine. Dans la mesure où, nous par contre, à qui ça assemblée parlementaire qui a débouché, dans la mesure où quatre sénateurs, ça, on a rappelé qui siennent, c'est Évalier Beauplan, Rick Pierre, Nenel Kassi, Don Kato, c'est quatre ça qui siennent, l'aide ça qui a cheminé vers le bureau du Sénat de la République, demandant de statuer sur le dossier de l'UKREF, le rapport concernant le dossier de corruption et concernant Jovenel Moïse, le président élu de la République. Comment nous ouais démarche quatre sénateurs yo correspondance yo adressé à Sénat République là pour demander pour statuer sous dossier et corruption qui impliquait Jovenel Moïse. Oh, palais.com. Les débouchés qui arrivaient, faut très prudent dans le verre à vos fruits. Moi, je conseille le président Elia. Faut très prudent dans qui ça, je sais que vous avez vos fruits pour le boire ou pour prendre votre lit. Parce que c'est un citoyen qui est réellement fragile pour moi. Deuxièmement, si on parle des pays, majorité sénateurs qui a demandé à Isara, ils ont voté pour mettre Joseph Bouvet comme président. Parce que vous connaissez bien ce créage de gaz de prison après une massacre à Syrie. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais je dis à ça qui est intéressé, il faut aller mettre enquête sur Jovenel, l'agent déboulé, c'est tout bon. Au moment où vous avez parlé de ça, c'est parce que vous avez qui est ce président. Comme ce n'est pas mon paroi, vous avez vu. Ça, c'est ce que je dis. C'est comme ça que ça, c'est ce que je c'est pas lui qui me dit ce que c'est normal que je dis pour faire ça à faire là. Mais je vais vous dire. On se dit, je dis. Pays d'Haïti, pas pour personne. Moi-même, quand je parle là, même dans le pays, je vais vous sur la donne. Tu me dis, chaque Haïtien, c'est la donne. Si on pense, je dis là, parce que mon vote, ou est le sénateur, je respecte ça, parce que mon dans un monde. Je vais mettre là. Non seulement on finit satisfait et tout, et quand on a un bon bois, il y a un bon bois,
kounya la ou même ou bien chita. Ou a cherché faire mouvement pour faire pays chaud parce que quel chaud quel fouet ou mon contrôleur toujours fouet ou a bien chaud ou mon intérêt pour chaud. On m'a dit nous y a dit si on pense que c'est con ça pays ça de diriger c'est venir à chercher un dossier c'est notre bord pour vous parler en pile pour citoyens haïtiens qui n'ont mis à vivre mal dans l'état de l'air pour payer à étouffer des gens qui a un bien chaud à l'air c'est bien compté mal calculé et si l'on si on a tout fait mal dans l'état de l'air là c'est là sénateur ça a eu qu'à parler là. Les gens qui sont fait un abri vers la cabine d'huile. Il y a 6 ans, il y a une affaire sociale. Il y a un bon cholestérol, mon grand ça. Exactement. Il y a un bon huile, mais il y a un cholestérol. Bon, mon cholestérol, c'est un bien, il n'est pas mal parce que son mauvais choix, on fait faire bien l'huile. C'est un jour, et homme. Moi, exactement. Si je pense à vous, vous pensez au même bruit à faire là, c'est le bon. Seulement, je dis au bout de ça, vous. Cours ça, privé, nous ça. Moi-même, nous ça, je suis privé. Cours ça, ne pas passer 7 février ou après tourner la caille à 8 millions, faire déjà, battre, il y a une chance pour venir à marcher. Alors, c'est dans son fort, c'est dans le ou fort, dans notre fort, dans sa rampille. Merci un peu. Merci un peu. Alors, on a pensé, on tient recentré et question à Timothée Jean-Roch. Est-ce que des marches sénatoriaux sont mauvaises, des marches liées? Est-ce que, comment nous est des marches sénatoriaux? Est-ce que ce sont des marches qui négatif? Est-ce que des marches anormales? Là, nous parlons de des marches normales. Si il y a des allégations de corruption qui planent sous deux citoyens, ou bien on apprend premier citoyen nation, ou bien premier monde qui est appelé pour venir diriger nation, hein, comme chef l'État, et que il y a des allégations de corruption, est-ce que ça anormal à ce que il y a des enquêtes de lumière qui doivent faire autour de dossier ça notamment. On a pour monde sous 49 là. 49, bonsoir. Allô, signal. Comment vous êtes? À projet. On parle. Oui, c'est de la fin de concernant le président. Vous avez quitté l'élection fin faite, tout le bagage fin normal, et vous aussi cool, il y en a eu besoin de lever le bagage ça. Vous voyez un nouveau qui va pas payer à Kenfou, non, un beau pays. Parce que tout dossier, vous avez demandé pour t'assier, pour être présenté dans le cas de la CEP, de CPJ, vous faites. Mais si vous avez dit avec le président, gisez des articles, c'est que il y a maintenant plus de conflits. Je comprends. Pour me défendre, il y a mettre tout ensemble. Il faut qu'il y a qu'à marcher, mais peuple en souffre. Parce que moi-même, je peux pas faire bon, pas qu'à travailler, mais en dehors, on fait oui, là, mais que des événements qui passent, c'est malheureux qu'à pas plus fois. Mais signal, devient souvent beaucoup signal. Merci un pile. 305 407 21 19 49 48 62 39 305 bonsoir. Oui, bonsoir. Il y a un problème parce qu'il y a en Haïti, ma vie aux États-Unis, à New York en particulier, c'est que Haïtien a foncé de bas, il va me comprendre ça. Aux États-Unis, il y a Donald Trump qui a suspicion qui était en collaboration avec mon Washington en façon que Vladimir Poutine qui était quand même arrivé président. Mais tout ça, c'est des allégations, bien que je dis que il y a une évidence. Mais pour un sénateur démocrate, dit que il n'a pas accepté de prêter serment et que toute préparation pour prêter serment le 21. Si toutefois, vous venez estimer, après toute enquête, vous connaissez pour sûr que M. coupable dans ces détails, le bon procédure qui est l'impeachment, il y a plus de suspicion. Mais ce n'est pas comme ça pour dire que le président a gagné potentiellement pas avant de faire lumière sur l'allégation. Parce que, bon, l'État assume que vous venez faire enquête là. Vous venez révéler que ça a été dit de M. ce n'est pas avoué. Comment qui ça va passer le ça? On est opposé à tête parce que pas connaissait parler. Il y a PC, ouais, si vous même empêché le journal président partir sous technicalité. Mais on va pas faire ça parce que c'est tout un pays où on mettait mon problème. C'est pour nous que vous avez si vous parlez, tant que John Lewis dit que l'État considéré que Donald Trump est président légitime, il dit que. Il peut participer dans la prestation serment, monsieur, son droit qui gagne, mais il n'a pas dit qu'il n'a pas gagné. Non, c'est ça, madame Dieu. Merci beaucoup. Okay. Merci pour le fait que vous êtes et appelez-moi et bien contre vous.
élection, est-ce que ça démarche pour un démarche intéressé, puisque mon café de tendance la valace. Et mon quoi côté bien dit, parce que tu senti que ça veut être faire, et pour pas dire pas normalement, mais quand même son bagage qui passe, c'est plus intéressant pour ça, pour la parole. Merci beaucoup. 305-407-21-19 et 49-48-62-39. N'a pas mon sous 62. 62, bonsoir. Alors, 49. Bonsoir. Bonsoir. Mon cher Tom, c'est pour nous amener là, nous avons vraiment des sujets. Nous avons des affaires barrières, des journaux, des cartes de balles, des enquêtes, des barrières. Et pas quatre sénateurs pour mener enquête. Quatre sénateurs écrit à bureau Sénat République là et pour amender l'Assemblée parlementaire là pour chita statuer sous dossier UCREF fait qui impliquait Jovenel dans la corruption avant 7 février. Bon, Tom, moi-même, la nation te connaît, privé bon pour en bas on est quand même. On est tout salué. Où est-ce que j'ai des épis sous bagarre amendement constitution? Privé son dernier mec. C'est pas qu'à léger au prix d'apprasé. Dans quelques jours, j'étais là, apprasé, pays à l'aide, Mayou. J'ai fait kidnapper Guy Philippe, j'aime parler de kidnapping, pour n'y aller pas, il vient à dossier ça. C'est un point de dossier Guy Philippe là, tout. Hein? Pour un dossier Guy Philippe là, il vient à dossier ça. J'ai éclaté pays à, mettre on les écrampé pour n'y aller à la danger, mais c'est fini que là, avec un mauvais temps, pour n'y aller à faire. Si le secrétaire pour le peuple a crasé le monsieur Dina avec un dossier de Philippe, il a eu l'ordre de kidnapper Guy Philippe, remettre les Américains, même nous. Mais c'est un peu de barreau de peuple, mais c'est pas supposé comme ça. Parce que c'est un style pour tout avocat dans le pays. Parce que pas un avocat Guy Philippe doit ou même elle. Elles sont prises comme si nous avions humilié les gars. Puis c'est pour dernier coup en bas, zone, pour finir avec la nation. Ça. Si la nation haïtienne n'a pas qu'à l'isiel, parce que privé, il n'y a pas de problème dans la commune. Mais je ne sais pas si ça fait tout le temps que je me fais mal. Je ne sais pas si je vais faire des problèmes. Mais je ne sais pas si je vais faire des problèmes. Privé, je vais finir à payer net. Privé, pas ta supposé là. Privé, je vais faire des prisonniers. Si pays, ce n'est pas ton savant, il n'est pas le monde, c'est ça. Tout le monde qui te vote privé, tu as supposé, même pour te poser des questions. Parce que privé, si. Pas de impunité dans le pays, il y a privé par ta logique, président. Privé lui-même, tout le monde connaît, on prend parcours privé, c'est pour un qui voit qu'il y a. Conclue pour nous. Pas de bon jugement qui est sorti contre lui. En tout cas, il y a nation, il y a les genoux, privé, bon dernier coup pour le tourner, nous pour le faire avec nous. Il y a un bagage qui est là, nous, Guy Philippe, qui nous a même vu dans le bagage Jovenel. Seulement, mes amis, les écrans. Ça, c'est là qu'elle a fait la demande, parce que chaque monde a un pouvoir par eux. Mais pour moi-même, je suis clair, ça doit être content, parce que ça permet qu'il la dirige plus bien. Parce que si l'union n'est pas faite, je prends un service avec ça. Et comme un marchandage, des fois, on a besoin de poste, on a besoin de millions, je prends un service avec ça, puis on met sous moi, ni national, ni international. Les marchands, plus bon que Jovenel, qu'elle va bon pour lui. Fanatique, tu dois poser, travailler des conseils avec le Sénat. Ou bien nommer juste de CIA, pour qu'il n'y ait pas de lumière sur les lapins, pour qu'il n'y ait plus de pouvoir. Et même si on a d'ailleurs tout, qu'elle a d'ailleurs pas besoin de enquêter sur le dos, parce qu'elle a d'ailleurs pas de rime. Elle a d'ailleurs pas le prendre en compte tout, même Jean Ouai, ou prendre des livres. Il y a pas de rime, il n'y a pas de rime. Et d'ailleurs, il n'y a pas de parler fort. Parler fort, il y a limité. Et il y a qu'on est. D'accord? Merci beaucoup. Et 49, 48, 62, 39, 49, bonsoir. 49, et 305-407-21-19, 49, 48, 62, 39, et nous avons pour sur 49, 49, bonsoir. Oui, allô. Baissez la radio là. Oui, je me salue, et je me salue tout le monde ici, en cap coup d'émission. Ça que je m'a dit, où est-ce que... Il va gagner 4, malheureusement. Et 305-407-21-19. Et on a remonté avec 49. Bonsoir.
Allô, 49. 49, 48, 62, 39, 305, 407, 21, 19. 49, bonsoir. Ça semblait pas gagner radio, Timothée. 305. 305. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je me salue et puis me félicite à Sial pour mon travail qui l'a fait dans le pays. Parce que je suis Sial depuis le tremblement de terre. Je me toujours dit ça, je ne sais pas si Sial se comprend qui contribution et Sial va en avance dans le pays. Il est en pile. Parce qu'on ne peut pas ici sauf qu'il oublie vite. Parce que je ne sais pas le tremblement de terre, c'est Sial qui est campé. 24 sur 24, je me dis côté Max Vibo ici, qui peut me dépenser, même des cas, c'est grâce à Sial qui peut me connaître si formule là, si on va là. Je me félicite, je vois ça, je vais me dire que je ne vais pas de terre. Sur le sorti, j'ai convenu, je me fais comprendre que des machines à faire en fait, et ma réflexion s'est posée à tout. Tout le monde est en ligne, et c'est sous ligne ça qui est parti à camper, mon yon à camper, parce qu'il va accepter Jovenel comme président. Si tout le bagage a été fait déjà, que Jovenel arrive là, moi-même, pas de problème, seulement ça me tarait, mais dans Jovenel, lui-même, pour qu'on parle, me tarait, mais si c'est le cabinet d'avocat qui a travaillé pour lui, il te gagne droit lui-même lui clarifier sa cap dire. Parce que si le tel va dire rien, c'est comme si c'était clarifié sa cap dire. Je ne sais pas si c'est même Sénat qui va le chita, qui va le retrancher sous sa cap dire. C'est lui-même pour qu'on parle, le cabinet doit faire ça, le supposé fait. Mais ça qui n'est pas vrai, qui quand t'as monté comme président quand même. Parce que Jovenel est brisé, tout le monde connaît le gagne jouet là, jouer en bas en bas. C'est bon, nous, qui a fait confiance dans le pays. Parce que, attention, Jacques Privé, il est plus mal que ça qui a parlé des Jovenel, là. Bon, anyway, il est président quand même, bien que c'est pas peuple qui mettait, c'est pas même peuple qui mettait, mais tout le monde connaît ce peuple haïtien qui choisit, même si qu'il y a une faute majorité qui va le voter, mais ça qui n'est pas comprenant dans l'élection, nous, qui sortit qu'à le voter, j'ai voulu l'élection, sauf que Chita, qu'on va pas le voter, c'est parce qu'on va te voler l'élection, c'est ça qui est l'élection. Ou Chita, là, quand on va le voter, ça, on va te voter pour, évidemment, on va obliger à accepter. Sauf que ça conseille que moi, ma baille Jovenel, que vous faites à l'italien, libère de prendre pile précaution avec mon saio, libère de prendre pile en pile en pile en pile en pile précaution parce que nous avons joué qui a joué pour le fort dernier coup. Parce que raison, les que vous avez eu mon, il faut prendre une attaque sur vous qui peut passer en fait la petite attaque quand même. Parce que dans le cas de Philippe, là, si Haïtien, dès qu'on est dans tant longtemps, c'est Haïtien qui est c'est vrai, il faut que c'est pas le premier ministre qui a passé pour voir by Jovenel. Vous n'avez pas de temps de parler encore après tout le sac et la nation. Et vous n'avez pas compris, c'est trahison, ça vous avez fait. Maintenant, l'ambassadeur qui a parlé pendant le temps, il a fait une interview ensemble avec lui. Il dit que c'est le gouvernement haïtien qui a été demandé à vraiment contre Philippe, mais c'est mon gouvernement haïtien qui te remet yo et Philippe. So, ça veut dire que yo le sa traite à la nation, constitution, quoi de ça. Michel Tassi, vous êtes passé par autre coup de justice et si peuple haïtien, c'est peuple haïtien, c'est qu'on est longtemps, c'est là, ou avez des divergences qui vous êtes capable de gagner avec Guy Philippe, vous êtes supposé camper en nous seul monde pour pouvoir ne pas camper dans le national. Encore, puis premier ministre, il était assuré à Terima, assuré gouvernement pays, jusqu'à ce qu'il passé, lui, par le président qui est là. Ça veut dire que quand ça va passer, peuple haïtien, il n'est pas impossible de faire n'importe quoi contre Jovenel, parce que dans le privé, tout haïtien, ce n'est pas décidé, tout ça, le fait la passer. Pour ma coquille, et me dit tout ça qu'il a fait, il ne va pas aboutir. Il faut que le Sénat qui a fait ce mouvement politique là-bas, là, c'est pas aboutir. Que bon Dieu nous, que bon Dieu nous, frère, m'a prié pour vous. Bon Dieu, que bon travail là, je connais bien le travail là-bas avec l'aide du Saint-Esprit. Que bon Dieu nous, frère, avec moi. Merci, toi, 105, 49, 48, 49, bonsoir. Bonsoir, Tom. Comment nous est? Mon cher, nous allons féliciter vous. Et avant tout, ma bonne bagage. Ouais, après l'émission, on va prendre pour me remettre mon dossier. On m'a pris le moment, ou après l'aim, ce numéro ça pour me mettre mon dossier. Tom, attendez bien. Président privé connaît bien ça l'affaire. Ou pas, ouais, jusqu'à présent, résultat, bah, Lavalas campé sous Bitli, Petite Dessaline campé sous Bitli. Ou moins, et ou gagne encore un candidat, la PA, ou moins, il y a un induit dans les rues. Ou bien de Jean-Baptiste comme n'est éclairé, ou bien qui ça le fait, l'idée qu'elle de monsieur, qu'elle te fait alliance avec lui, que lui veut le président lui féliciter. Ce qui va jamais faire, de Jude. Mais c'est pas sérieux ça. N'est-ce pas bien qu'on sait faire à ces pays qui ont besoin. Ou bien de Aristide du pas obéi. Ou bien, c'est action Aristide privé, ou bien qu'on fait là, oui. Ou bien, pas de l'autre bagage encore, non? Bon, moi-même, ou bien ça m'a fait, si je suis en position Jovenel, nous t'avons demandé concours, nous craser par les membres, et chambre sénat surtout. Au moins, ça c'est manqué des gars. Que, ou pas, ou bien, six mois qui étaient bloqués pays, ou que, non, mais Matéli, c'est pas fait Matéli, pas ta fait, non?
Mais si ça, ça, c'est un criminel, ça, ou t'es dans la chambre, là, oui. Ou bien Nenel Kassi. Nenel Kassi, il y a un frère, non, ou bien qui côté. Comme je n'ai pas de 30 000 là, pas moi. Bon, je vais vous dire, aller plus loin pour ça. Il va vous dire, ok, est-ce que vous attendez nous? Oui, oui. Bon, bah, qui fondamental, moi, qui vous demande de vous gazer balement comme ça. C'est une institution dans l'État qui, en tant qu'institution, qui est utile à la République. Ça t'est arrivé que y a des bagages qui dérapent, mais et si on a parlé de renforcement institutionnel, c'est à dire qu'il y a des démarches qui entreprennent pour renforcer l'institution. Parce que y a des bagages exécutifs qui ont des démarches qui entreprennent, et que c'est pas le moment qui vous dit là. Ça veut dire, ça a les pouvoirs de contrôle là. Moi, c'est l'institution, chaque maillot qui a un rôle, c'est pas sans raison, qui a un parlement, qui a une institution qui a un avec le système judiciaire à clôt encore. Parce que chaque maillot a une fonction. Tom, d'accord, nous connaissons un de dialogue qui a pile raison, quelque chose à mon nom. D'ailleurs, si on monte ceux qui ont été à diriger un poste dans le pays d'Haïti, on ne peut pas consulter avec Gary Pierre Charles, il n'y a pas comme ça ouvert. Bon, c'est bagarre, comme tant de Gary Pierre Charles, bat bravo pour ça, n'est-ce que fait. Bon, par contre, on a fait un sous signal. D'ailleurs, où est-ce que vous avez boulé là 23 minutes, on conclut. Ah, ok. Comme je dis, ouvrez le mapon, c'est important. Pas de problème. Je suis seulement capable. Merci, un pile. 305-407-21-19 et 49-48-62-39. 305. 305. Et tu m'as dit le courrier là. On a pour mon saut 49 là. 49. Bonsoir. 49, bonsoir. Salut à tous les auditeurs et auditrices. Radio. Et puis, n'a pas un point de vue nous sur l'aide que Katsila a écrit avec. Ou pas grand pile dans une minute, t'en allez. Ok. Bon, je pense que l'action Katsila a normalement, est irréprochable. Puisque normalement, on est supposé vérifier, on est supposé mener une enquête sur le monde qui va diriger notre pays. Même penser que ce n'est pas le bon moment. Puisque avant l'élection, c'est une période que. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Mais on quitte le résultat préliminaire, le résultat définitif. Et puis, dans un moment là, on est le 17 janvier, 7 février. Alors, on n'est pas défendu. On met quand même s'ouvrir et pas ouvrir une exemple. Son ban là va la mélange avec petite Dessaline qui a arrangé en gens pour boycotter l'investiture. Et puis, on met un qui te tape dans la misère. Nous-mêmes, qui bat, quittez-nous dans la misère plus. Ok, merci. Merci. Palais.com. Et un grand élément besoin dit. Et alors m'a dit et un auditeur qui s'est dit tout à l'heure là. Démarche là, m'te pose des questions bien, m'te dit comment yo ouais démarche là. Et que si m'ta bay note, pas grand pile monde qui fait note. Quel monde qui seulement ouais n'yo comme approche, m'te fait aller à son hypothèse oui. D'essayer faire tout à l'heure là, malheureusement même sénateur Beauplan t'es mal comprendre ni. Comme si pour lui, il dit son bail à la valasse. Non, c'est pas de saleté. Démarche là, étant donné que moi, je garde le profil 4 messieurs. Et bon, quand même, que l'on soit fou ou sage, mais plutôt sage, n'a pas d'accord avec monsieur. De monde qui de souche la valasse. C'est hot. Pas gain. Et pas de fond approche politique seulement de questions. Bien que politique là, sont un élément transversal, il rentre dans tout. Et bagaille. Mais fondamentalement, et m'te vle ouais appréhension niveau auditoire ça n'a parlé de fan a été aujourd'hui ce qui moun nous ka compter est-ce que nous ka compter sur la république bien est-ce que la république ka compter sur nous bon auditeur qui dit que démarche la bon dans la mesure où la facilité Jovenel Moïse pour le diriger puis bien m'ka bal 9.99%. Et dans la mesure où pas ta gagnen, c'est pas ta on démarche intéressé, on te dit bien au début, dans l'intro émission. Quand c'est pour la transparence, ou bien c'est pour la transparence, c'est pour la vérité de l'histoire, ça a perdu que gagne moins de reproches. L'en fin qui te pouvoir, parce que gagne qui dit, ben, fond Petro-Caribe yo dilapidé, et puisque et généralement nous fait de nouveaux riches. La façon de gab GPIA et que institution de contrôle yo perdi contrôle même nèg qui dans l'état. D'ailleurs souvent dit li même pour la Cour supérieure des comptes, yon nan institution qui
y a une responsabilité pour contrôler et pour faire audit sous façon l'argent à gérer dans le pays. Mais des fois, comme si n'est-ce des fois qu'on voulait faire jeu de l'exécutif. Fabien, n'est-ce pas, c'est même conseil, coup de compte, tu as investi dans un mandat de 10 ans. Et le mandat du président de la République, il est 5 ans. Alors là, bien de institutions, bien de citoyens qui prennent responsabilité en main, ils prennent responsabilité, ils font des enquêtes, ils mettent des bagages, ils ça facilite, question de transparence dans l'État, j'irai bien, n'a pas gaspillé moins l'argent, et l'on nègre, les faits bien vus en tout, et après l'aile, et la justice a sanctionné, et la République a connu, prochaine fois, nègre ça, ou a mettre le sous-côté. C'est pas on est comme si parce que le directeur général il volait puis après ça le ministre. C'est pas on est parce que le ministre c'est que le cavine président mais le cavine premier ministre. Son est que la République a metté le sous-côté parce qu'ils sont volés, ils sont douettes l'homme supérieur. Paul, la palais.com.